Bonjour, bienvenue à cette minute technique de Solide Expert. Mon nom est Alain Provost et aujourd'hui dans DriveWorks Pro, je vais vous montrer comment faire des petites macros vraiment rapides. Donc, dans un projet que j'ai déjà de démarrer, je veux insérer des boutons qui vont me faire passer d'un formulaire à l'autre, comme celui-ci. Alors, on voit ici la règle qui a été appliquée pour faire fonctionner ma macro. Vous allez voir que c'est vraiment très simple de le faire. Donc, allons voir dans un autre formulaire. J'ai déjà commencé à y ajouter mes fameux boutons. Vraiment simplement, avec le macro button dans la barre d'outils, je nomme mon prochain bouton et je l'ajoute à mon formulaire. Comme ça, on va le positionner. Voilà. Et puis maintenant, ben, il ne reste plus qu'à créer nos macros. Pour faire ça, bien, il va falloir aller dans notre menu ici. Et comme vous le voyez, mes deux autres macros étaient déjà insérés et ont leur fonction. Simplement ajouter, comme ceci, la première et la deuxième macro. Comme ça. Maintenant, on va y ajouter des fonctions. Vous allez voir vraiment très simplement. Tout ce qu'on a à faire dans notre menu, glisser la fonction qu'on a besoin avec notre macro ou simplement en double-cliquant sur celle-ci pour qu'elle s'ajoute. Il ne reste plus maintenant qu'à aller voir comment inscrire la règle ici sous macro name. Je n'ai pas besoin d'une fonction ou d'écrire une règle puisque j'ai déjà inscrit cette macro. Simplement la choisir dans la liste et je l'accepte comme ça. On va faire la même chose avec la suivante. Voilà. On ouvre la règle, on choisit dans notre menu. Simplement l'accepter. Donc, on va aller voir si notre macro fonctionne. J'ai démarré une nouvelle spécification. Comme je vous disais, la petite macro, je la veux sur mon formulaire pour ne pas avoir besoin d'aller justement dans le menu en bas à droite. Voilà. Donc, je peux passer d'un formulaire à l'autre, vraiment simplement, et en gardant des boutons proactifs sur mon formulaire. De cette manière, je garde le client attiré vraiment tout près des sujets sur mon formulaire. J'espère que ce truc vous sera utile. Merci et à bientôt.